Je peux pas interagir avec lui pour le moment. I'm headed to camp as well. Ouais, moi aussi, ouais, j'arrive les gars. J'avoue, le cadenceur il est plutôt joli, j'aime bien. Mais c'est là d'être un cheval de. Comment ça s'appelle de. De. Alors, pas de trait, mais de. Un cheval lourd, quoi. J'ai pas le mot qu'il faut, mais. J'y connais rien en chevaux, mais. C'est pas une caisse ça? D'accord. Ah, ça par contre, c'est un coffre. Hop. C'est celui de Bill, sûrement, ouais. Ouais, il l'a pris, ouais. Hop. 1,15$. Eh, c'est comment ça? Ah oui, j'avais pas vu, du coup. Ça m'avait rapporté combien, ce... le casse de tout à l'heure? Parce qu'on a, 500$, là, mine de rien, quand même. Pas mal! 300! Merci, Papituc. Putain, heureusement que le chat suit, hein. Putain de merde. 300$! Ah ouais, quand même. Ok, ok, ça valait le coup. Ça valait le coup. Cheval de trait? Ah si, si, de trait, ok. 300 biftos? Bah non, 600, ce serait bizarre, Crimox. Ça en fait de la pute de luxe. Comme je vous comprends, mon cher Guy. Comme je vous comprends. Bonne référence, Marcus. Ok, bon, on s'est mis bien. Eh non, mais rentable, hein, rentable. Ah, moi aussi, Adès, je suis paumé sur mon propre live. Attention, un arbre. Ah ah. Caillou. Oh oui. On y est. Excusez-moi, mais là c'est sûr. Là c'est là. On y est. Sûr à 100%. C'est ça. Oh là là, la carte au trésor qui me donne le bon emplacement du coup. Putain, je pensais pas le trouver là. Hein. Oui, c'est ça parce que l'autre a pris sa part du coup, mais oui. Ok. Alors du coup on est là donc le triangle chelou. Putain, le triangle chelou c'était effectivement celui de la ville je crois. Et du coup fallait regarder dans la bonne direction. Putain, j'ai pas regardé dans la bonne direction. Ou alors c'était caché. Ah non, on voit pas la ville d'ici, putain, c'est ça. Elle est pas loin mais on la voit pas d'ici en fait. C'est pour ça. Alors, du coup. C'était où exactement sur la map? Ok, c'est bizarre. Hein. Ça se trouverait là. Ouais, je sais pas pourquoi je le sens mal cette histoire. Donc, globalement, il te dit ah non, tu passes au-dessus, tu prends le chemin. Et globalement, c'est sur une aspérité rocheuse sur le côté. Ah, attends. Ah, ouais. D'accord, par contre, te rattraper, c'est pas une option. Ça marche. Genre descendre doucement, c'est pas une option. Ça n'existe pas dans le monde de Red Dead Redemption. Nickel. Ah.
Alors. Non, glisse pas, glisse pas, glisse pas. Voilà, glisse pas, tranquille. Nickel, posé. Oh putain. Dangereux comme endroit. Ah, pas si en fait, Valentine. Enfin, Valentine était visible d'ici, mais. D'accord, ouais. Alors. Salut Noir la con, comment tu vas? Je suis déjà à fond en ginseng, ok, très bien. Alors. Donc, on disait. Une fois qu'on s'est baladé au-dessus, on se déporte sur le côté, genre avec un petit chemin. Ah, au tout début en fait. Tac, tac, tac. Ça va. Et salut Panda. Ça a juste un petit peu crevé. Et du coup, je pense que là, on va bientôt arrêter le stream. Même si ça aurait été cool de continuer un moment, je pense que. Par contre, c'est quoi cette carte au trésor totalement daubée du cul? Daubée du cul! J'ai quand même l'impression de me faire arnaquer avec cette carte au trésor. Vous trouvez pas, vous? Hop. Quelqu'un qui a déjà pris le trésor, putain, ça me ferait mal. Ça me ferait mal, ça me ferait mal. Bon, là, clairement, c'est ce petit chemin-là, c'est sûr. Pas serein là. Ah, théoriquement, ça devrait être là, là. Peut-être difficilement atteignable hein, tout ça. Parce qu'en gros, c'est quand tu regardes par là. Tu aurais caché le trésor sur le côté du rocher, quoi. Tac, tu montes bien sur le truc, tac, tu descends un peu sur le côté. C'est peut-être un peu. Un peu plus loin, mais oh putain, c'est là.
Oh les gars, mais tendu votre cachette. Et donc ça, c'est la deuxième carte qui m'amène au vrai trésor. Oh putain. Waouh. Putain. C'est quoi cet endroit? Ça doit être une région volcanique. Okay, je crois savoir où c'est à l'ouest, pas loin de... Je pense que c'est pas loin de là où il y avait le Caleb. Et du coup, cette carte vous a filé un emplacement pour une autre carte. Exactement. Ok. On va dire que ça passe. Ah oui, je me fais de plus en plus peur hein, sur les corniches et tout, c'est chaud. Hein. Putain, moi qui voulais faire juste un live de 40 minutes, là. Hop. Les gars, franchement, on va pas se la choper, on va choper le trésor. Allez, on va choper le trésor. Allez, on va choper le trésor. On n'arrête pas le live, on va choper le trésor. Ce live qui n'en finira jamais. Alors par contre, avant d'aller choper le trésor, on va aller mettre la peau. Allez, go trésor. Putain, allez. Oh ouais, trésor puis dynamite le saloon. Toujours plus, évidemment. D'abord, du coup, on va déposer la peau, parce que ça fait quand même 2h30 qu'on se la charrie, cette putain de peau. Alors, je vais pas reperdre la peau avant de la revendre, regarde. Je l'amène tranquillement ici. Alors, il serait mieux de l'amener à un tanner, mais le tanner est loin. Pourquoi pas du poker entre deux? Non! En plus, la table de poker est fermée, donc voilà. Pas de poker. Hello, Mr. Morgan. Hey. Salut mon loup. Alors, je viens de donner pas mal de trucs. Tiens, regarde. Hop. Déjà, une fourrure de wapiti en parfait état. De la venaison, en veux-tu, en voilà. Une peau de serpent en mauvais état, hélas. Bah ouais, mais en même temps, fuck, je t'emmerde. Voilà. Ça n'a pas de valeur, mais au moins... Ça vaut cher. Alors, vu que j'ai beaucoup d'argent maintenant, et que je vais aller chercher un putain de trésor, on va faire les choses. Non mais ça donne de la bouffe pour le camp Lima. Alors la peau aussi a dû m'a filer de la j'espère. On sait rien. Hop, allez, $350 au camp, bim. Eh bah là les gars, putain, on peut dire que je vous mets bien. Hein. Tac. Du coup, registre. Alors. $350, Arthur. Alors. Est-ce que l'autre, il est venu donner... Putain, il a pas donné sa part, l'enculé. Hein. Oh, ça me va pas du tout, ça. Mmh.
Ouais, je vais aller l'engueuler après. Du coup, alors, on peut améliorer les quartiers de la bande encore. Ou alors, choper des trucs en plus. Un poulailler. Alors, les outils de travail du cuir, ça, c'est obligé. Tech. Personne ne peut maintenant fabriquer des améliorations pour votre sacoche. Ça, c'était obligé. Du coup, il me reste 300$ pour le camp. 325 pour ça, c'est trop. Ou alors on fait les frais. On fait les frais et on s'en bat les couilles. Hein. Allez, on fait les frais. T'as fuck, mec? Allez, on fait les frais et on s'en bat les couilles. Hop, voyage rapide, du nécessaire de toilettes supplémentaires. Ah, une carte de voyage rapide? Nice! C'est cool ça. Et j'ai pas assez pour faire le reste. Ok. Sheriff about a bounty, shoot a godforsaken animal, I don't care, do something. Yeah. Sorry. Hop. I'll go. Ah ouais, maintenant ça ressemble vraiment à quelque chose notre truc quand même. C'est sympa, c'est sympa. Du coup, la carte de voyage rapide. Du coup, on peut... Voyage rapide? Nice. On peut aller à Saint-Denis rapidement, à Strawberry. Oh, nickel, nickel, on peut aller à Strawberry comme ça, en claquant des doigts. C'est très cool. C'est très 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 cool. Ah, le poulailler a été une bonne idée, mais du coup, je pense que sans le faire exprès, j'ai eu la meilleure idée là. Du coup, on va juste remettre 70$, histoire qu'il y ait quand même de l'argent dans le pot. $50. Voilà. Alors toi du coup, est-ce que tu peux me construire des trucs maintenant? C'est une bonne idée la carte. Bah c'était totalement volontaire parce que bah du coup j'étais pas... Je savais pas que ça allait me le faire, mais pratique du coup. Améliorer le chariot de remède 2 fois. Ok, ça il faut quoi du coup? Peau de biche et une panthère. Putain, stylé. Ah, je vais pouvoir bien me mettre là. Et là, du coup, peau d'alligator en parfait état. Évidemment, une peau d'alligator va nous donner un crâne. C'est normal. Du mouflon. Des peaux de cougar. Des peaux de sanglier. Oh, les peaux de sanglier. Je pense qu'on va chasser là. On va chasser en mode vénère, les gars. Oh putain. Salut Yola. Ça va très très bien, et toi? Ok, ça va chasser en mode vénère. Du coup, on va stepper à Strawberry. Tech. Ouais, par contre, le TP à Valentine, c'est pas super utile, quoi. Et du coup, ça, ouais, ça m'envoie à des lieux que je connais. Ça, c'est cool. Du coup, ouais, je peux pas encore aller à des lieux que j'ai jamais vus. Pas trop décalé, totalement. Là, j'ai encore fait la nuit, Yola. Ça n'a, je fais n'importe quoi. Merci Yola, ouais, c'est l'ami MV qui est passé par là et qui a droppé tout ça. J'en suis éternellement reconnaissant, putain. Parce que là, je pense qu'on n'aurait pas 100 viewers ce matin s'il n'était pas passé comme ça. Putain, on a encore 100 viewers, quoi. Vous êtes fous les gars, vous êtes fous, malgré un rip de stream. Vous êtes magnifique.
Ouais, on est monté. Enfin, en gros, il a droppé 3K et on a fini à 1000 à 1000 viewers, Panda. Bon bah du coup, vu qu'on est reparti pour de la chasse. The Big Valley. Du coup, on sait qu'il nous faut des peaux de mouflon en parfait état, du sanglier en parfait état. Et bah, si on peut avoir le truc au maximum, on sera bien. Salut Fing, Falling Kill. Y'avait quoi comme bonus de précommande? Parce que du coup moi j'ai pas regardé. C'est vrai que je l'ai précommandé mais j'ai pas regardé comment les choper. C'est très con de ma part. Ah, si tu trouves l'info, tu pourras venir revenir me la donner? Ou si quelqu'un a l'info dans le chat. Parce que c'est vrai que j'ai... Et salut! J'ai des problèmes à fesses, tout est sûr, je comprends pas. Je connais en informatique. N'hésite pas, Ziz, à aller dans mon Discord. Si t'aimes bien la chaîne, et voilà. Parce qu'en plus, on a fait toute une section de d'aide informatique qui est disponible. Si t'as les rôles et tu te les attribues toi-même, tu verras, il est très bien fait. Et donc, point d'exclamation Discord, et on essaye de répondre à tout ce genre de problèmes et de s'entraider. Et le trésor, il est au-delà de du territoire de chasse. Et merci Falling Kill. Ah oui, ça c'était pas de la précommande, c'était de l'édition supplémentaire, le cheval de guerre de ouf de malade. Ok. Ça c'est un wapiti, c'est bon. Bon, du coup, de la chasse. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Les sangliers, c'était fusil. Je vais prendre fusil à pompe et... Enfin, un gros fusil et... Non, pas ça. Fusil et fusil à lunettes, je pense que c'est ce qu'on a de mieux. Hop là. Putain, ce cheval qui est surarmé, quoi. Ok. Il me sentira pas. Alex. Non, il fuit. Ok, il fuit. Le problème, c'est que le fusil, il est efficace vraiment qu'à courte distance. Et la carabine, c'est pas un fusil, c'est une carabine. Je sais pas si c'est compté comme un fusil, la carabine. Thank you.
Nice. Alors. Dépecé. Reste à voir, tu fais peur aux ours. Par contre, j'ai l'impression que ça lui a niqué la peau. Bah ouais, mais il me dit fusil. Alors si fusil, du coup, c'est carabine, je vais prendre la carabine, mais... Tu vois ? Mauvais état. Oh, mais j'en veux pas. Tire la tête pour pas abîmer ma peau, peut-être. Ouais, aussi, ouais. Mais bon, avec un fusil à pompe, c'est pas facile. Hein. Enfin, un fusil de chasse comme ça. Ouais. Je vais essayer avec la carabine. Je crois que les sangliers aussi sont sur des... Au genre d'armes. Carabine Lancaster. Non, fusil c'est double canon. Ouais, ça doit être peut-être le bon gros headshot. Ouais, il y avait... Alors je crois que c'est plus une panthère qu'un jaguar, mais oui. Oh ! Est-ce que c'est lui ? Oh putain, c'est lui. Oh, c'est lui ! Oh là là. Ok. Oh le calibou. Calibou. Ok, saute. Ok, d'accord, c'est pas grave. Les excréments encore frais? Parfait. Ça marche, Aliema, des bisous. Courage pour dormir. Bonne chance, plutôt. Oh là là, t'es pas loin, toi. Getting close. C'est toi? Putain, c'est le... Calibou. Serre légendaire. Utiliser un arc avec une flèche, quoi? T'es sérieux? Oh, t'es sérieux? Pourquoi il me dit que j'ai un ennemi de ce côté-là? Bon. Hop, calme-toi. Ok, girl. Ok. À l'arc, c'est pas gagné, non? Ok,
Alors, à la réflexion, si je fais... des flèches améliorées. Flèche vitesse améliorée, dégâts vitesse accrue. Tac. Ah là, c'est tir à la tête obligé. Hein. Et j'ai 3 flèches. Ça va être tendu. Ok, c'est bon, moi il me sent pas. Qu'est-ce qu'il est? Je suis pas en train de le confondre avec un icône d'émission, si sûrement. Oh le beau! Oh Polo! Oh elle est belle! Oh elle est belle! Pouh, putain de merde! Alors je sais pas si c'était très utile la flèche. La flèche du coup. Comment ça s'appelle? Améliorée, mais. Elle s'est plantée où du coup on la voit pas? Ah, c'est dommage ça. Bon, c'est pas grave. Tac! C'est la peau qui est intéressante, le reste on s'en fout. Tac! Amulette de bois de serre. Putain, c'est bon ça. Bon, bah, c'est bon! Le cerf légendaire, on aura fini par l'avoir. Sur ce live en plus. Tac. Hop là. Du coup, est-ce qu'on récupère la viande aussi? Ouais, c'est toujours ça. Hein. Tac. De toute façon, on peut toujours mettre des pots même s'il y a de la viande, donc. Mais c'est pas un caribou ça! Mais. Si tu connaissais les lives de Bob, les vidéos de Bob Lennon, tu saurais que tout est un calibre. Ok, maintenant le sanglier. Même pas forcément, Zanamix. Pas forcément. Tout ce qui est de l'autre côté de ton viseur est un calibre.
Alors, faut que je me trouve un petit mouflon. Et Et un sanglier. Un ou deux sangliers d'ailleurs. Easy, girl. C'est des petits trucs, c'est pas ça qui va te bouffer, ma grande. Alors. Voilà. Voilà. C'est pas un petit prédateur qui va te bouffer, t'inquiète pas. Ah, c'est ça qui lui fait flipper un peu flipper, bon, ça va. Ah 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 ah. Quoi ça là-bas? Un sanglier? Convenable. Ah, il y a un sanglier 3 étoiles là-bas. Hein. Passer un 2 étoiles, 2 étoiles. Ah, pendant une demi-seconde, tu vois le 3 étoiles, mais il doit être derrière un arbre. Là-bas. Des étoiles, une étoile. Ah, c'est juste un bug d'affichage en fait. D'accord. Un fusil. Hop. Non, toi t'es bouge. Je suis en mode discrétion de l'extrême, quoi. Merci Torfin, merci beaucoup pour ton follow sur la chaîne YouTube. Enfin, c'est lequel là-bas? Salut Belles Live! Alors, je devrais-il là? Oh oui. Non, je suis pas là. C'est pas un humain, tu vois. De toute façon, c'est pas toi que je veux. Alors, tu peux avoir plus d'un animal sur le cheval? Non, mais par contre, effectivement, tu vas avoir plusieurs peaux de faible taille et un animal. Les peaux de gros gibier prennent trop de place. Là, par exemple, c'est nickel.
Mauvais état, bah ouais, c'était une peau de merde. Ah, puis c'est pas... J'attaque avec un fusil de chasse, mais je suis sûr qu'au final, une carabine, ce serait mieux, en vrai. Une carabine, ce serait beaucoup mieux. Au moins, j'ai testé. Là, c'était du headshot. On est sûr que c'était du headshot. Bon, je lui ai mis 2 balles, certes, mais... Je pense pas que ce soit ça qui change beaucoup, le truc. Donc, la Lancaster. Hop là. Non, je voulais le Lancaster. Pourquoi? Non mais... Allô? Avec ton sens de chasse, tu vois des cyclistes? Il y a des cyclistes qui se sont fait tirer dessus récemment? Désolé. Moi et les infos, je suis... C'était pas trop ça. Ou Hop. Ah merde. Ah, c'est vrai qu'en plus j'ai vu des chasseurs ces derniers temps qui juste en fait se mettent au bord de forêt sur des petits trépieds et attendent qu'un truc passe. Et c'est Je dois me rendre Rhodes, il n'y a pas moyen de se TP. Je sais même pas où c'est Rhodes, du coup Je peux pas t'aider. Bon, du coup, est-ce qu'on va retrouver des sangliers? Parce que je pense que je les ai un peu effrayés. Ça, c'est un raton laveur. Hop là. C'est quoi ça? Non, pas les dindes. C'est du wapiti, wapiti. Pas besoin de wapiti. Je veux du mouflon et du sanglier. Erreur, Yon. Encore à la chasse, toujours à la chasse. À l'affût de sa proie. Ah ah! C'est un wapiti. On va revenir vers le territoire des sangliers. Et du coup, oui, je pense que là on doit aller, c'est un peu plus par un peu plus à l'ouest du coup. C'est du wapiti. Il y a plus de bestioles la nuit, bah oui, j'imagine bien. Ah putain! De ce niveau de santé va se vider. Attends. Déjà. Parce que faut pas déconner.